Ok, bah contre Radahn qu'on sort, hein, bon, je pense que c'est le dernier boss. Hein. Je me suis fait spoiler sur YouTube, hein, évidemment. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bien fait! Mais qu'est-ce qu'il est bien fait! Mais c'est abusé! C'est une peinture, le gars, il est trop bien fait! Graphiquement, là, on dirait, j'ai l'impression qu'il y a eu un up. Juste pour lui. Ah, je tank, hein. Ok, bon, j'arrive à lancer sa phase 2 assez rapidement, mais attends, je vais relaisser cette cinématique parce que ce qu'il dit là, Mikaela, ça m'intrigue. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est bien fait? Là, il y a un up graphique sur le perso. Il n'y a jamais eu un personnage aussi bien fait dans Elden Ring. Hein. Je rappelle, je suis sur PS5, mais on parle d'un jeu PS4, quoi. Qu'est-ce que c'est badass? Non, mais c'est pas possible, ce jeu-là, c'est... Oh là 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 là. Mais bon, vas-y, je fais que me répéter, mais il est trop Lord stylé ce Brother. jeu. Mon frère est seigneur. De retour, donc, ok. Parce que, quand même, la première fois qu'on voit concrètement Mikaela, le mec il up un Radahn tout neuf, quoi. Enfin, c'est un truc de fou là ce qui est en train de se passer là. Qui aspirait à devenir dame de l'ordre ancien. L'ordre ancien. Vous avez connu le péché si vous portez le deuil de ce monde. Ok. Alors, il a plusieurs bras comme Rani, hein. Ouais, alors j'aurais dû en profiter pour up mon bouclier. Tu t'arrêtes de taper des fois, non? Ah mince, voilà. Oh. 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 Je veux mourir. Là, je sens. Là, il m'a mis un truc là. Ça me tue, ça. J'ai réussi à esquiver. Qu'il a fait, mais j'ai eu le temps de. Oh là 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 là, oh là là, mais t'es fou! T'es fou, Radahn! Va consulter un psy. J'ai une adresse, je vais te la donner. Hein. Ah merde, putain, je suis con. Ouais, bah. De l'ordre ancien. Donc ça veut dire on est dans le futur au final. Hein. Ouais, je meurs. Cœur dérobé. Ah oui, mais oui. Mais oui. Ah. Ça m'a même donné une émote. Mais oui, parce que faut pas oublier que Mikaela, il a le pouvoir de charmer les gens là. J'ai oublié comment ils appellent ça là. Voilà ça, avec la branche envoûtante que ça me défaisait pour charmer les ennemis transpercés, ok?
La cotation d'un ferroviaire pour Rivella transperce un adversaire et dépense des PC pour en faire un allié temporaire. Mikaela, l'Empyréen, est l'objet de bien des affections et pour cause, il est passé maître dans l'art de susciter pareil transport. Et puis, je sais plus c'est quel autre PNJ qu'on croise qui dit qu'il est sous le charme de Mikaela et qu'il faut qu'il trouve le moyen de se sortir de ce charme-là. Ouais, donc là, c'est exactement ce qui s'est passé en fait. Il te one shot. En fait, il te one shot en. Ouais, enfin, c'est incroyable. En tout cas, là, ce qui se passe, c'est incroyable. Mais là, comme ça, la Radan, là, non, non, là, il est goldé, mais de chez goldé, de chez goldé, de chez goldé, de chez goldé, de chez. Ah, j'aurais bien voulu l'empoisonner. Voilà. Tu vois, ça, c'est vraiment joué à un coup. Merde. Ça, faut pas esquiver, ça je tank. Hein. Quoique j'avais réussi à esquiver, hein, mais pas là. La technique des stocks, ça marche bien. Voilà. Ouais, là j'arrive systématiquement à faire sa phase 2. Sauvage Radan, t'as eu des problèmes dans ton enfance ou quoi là? Ah merde, putain, ouais, non, non, c'est bon, il faut que je me fasse ça. Donc là, Mikaela avec ses grands cheveux là, c'est Goku niveau 3 quoi. Ah, c'est bon, je suis à l'autre. Chez là. Non, non, mais je suis. Putain, bon, bref, ok. Ouais, ok. Bon, en fait, j'aime bien le fait de constater que mon bouclier il tank, ça tank bien et je lui fais masse de dégâts quand même. Avec grâce au poison. Bon, ok, très bien, c'est noté. Et je pense que je vais virer les fioles bleues, je vais les virer. Hein. Je vais les virer, hein, là, ça sert à rien. En fait, je suis trop en mode. J'arrive à tanker ses attaques et je regarde ce qui se passe, mais ça, ce pattern-là, faut que je l'évite. Hein. Ah, c'est bon. Hein. Non, non, c'est très bien comme ça. Là, j'ai de la défense. Non, non, c'est très bien. C'est très bien. Là, juste que je revois si j'ai pas un bâton qui me permet de tenir plus longtemps la magie là. Mais là, déjà, là, je trouve que mon bouclier il tanque déjà très bien. Il y a un coup qui a whiffé. Ça fait la différence, ça, monsieur. Voilà. Un con. On en tue.
comme par hasard. Ouais, j'aime bien les dégâts que je lui fais. Elle commence direct par... Oh là là, t'es le bout du monde. Oh, là, j'ai esquivé, là. En fait, il a le Sharingan, quoi, qu'on se... Non. Oh, putain, je me suis guéri. Putain, pourquoi j'ai fait ça? Je suis con. Pourquoi j'ai esquivé? Je savais qu'il allait, il allait traquer. Ouais. Oh là là, eh, franchement, je sais pas, c'est l'instant T qui me fait dire ça, mais je crois que c'est le meilleur boss, en tout cas le boss le plus stylé. Là, je suis en train de prendre ma claque, hein. Et je parle pas uniquement en termes de difficulté, puisqu'au final, là, je suis quoi? Je dois être à mon quatrième, cinquième try, et j'arrive à lui déclencher sa phase 2 très rapidement. Et là, je vois que je fais masse de dégâts, mais... Oh là 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 là. Tout y est. Il est grand, il est beau, il est stylé, il tape fort, il y a de l'impact, il y a la musique, il y a le côté gladiateur... Il y a le côté surprenant où t'as Michaela qui sort et qui oh là là. Ah, comme je dis tout le temps, hein, j'ai plus de 500 heures de jeu sur cette partie-là. Hein. En comptant les autres parties, tout ce que j'ai fait, j'ai plus de 600 heures dans ce jeu-là. Pour rappel, je suis niveau 465 en New Game Plus 11. Alors oui, je sais, le niveau de difficulté maximum, c'est le New Game Plus 7. Je sais, pas besoin de le remettre en commentaire. Je sais, je rappelle, je dis que je suis en New Game Plus 11 pour montrer que c'est raccord avec le niveau que j'ai. Je sais que la difficulté s'arrête au New Game Plus 7. Au niveau de des esquis de l'arbre au monde, je suis 13 ou 14 là. Putain, je suis 15 même, je crois. Ouais, 15. Je suis niveau 15 et niveau 9 pour les invoques. Malgré tout ce temps passé, je prends encore des claques comme ça. C'est... Là, je me répète, mais comme j'ai souvent dit, alors je sais pas si Elden Ring c'est le meilleur jeu de tous les temps, mais déjà il en fait partie, ça c'est sûr et certain. Mais il y a une chose unique, jamais après autant d'heures sur un jeu, jamais j'ai continué à autant être subjugué par le jeu. À partir d'un moment, quel que soit le jeu, les jeux que j'ai kiffé, les Final Fantasy, les Devil May Cry, plein de jeux à l'époque PS2, tout ça, les jeux de combat, tout ça, il y a toujours un moment où je me dis, ouais, le jeu, il est flippant, mais bon, là, je commence un petit peu à en avoir marre, quoi. Vas-y, c'est bon, j'ai compris, ouais, le jeu, il est flippant, pas de problème. Elden Ring, c'est le seul jeu où plus je continue à jouer, plus je continue à kiffer le jeu, j'en ai jamais marre et je suis tout le temps subjugué par ce jeu-là. C'est incroyable, hein, vraiment.
Bon, bah écoute, hein, je vais continuer en off hein, jusqu'à ce que je le tombe. Hein, mais là, j'ai l'impression que je tiens le bon bout, là. Parce que là, je suis un peu émerveillé, là. Mais si je me concentre bien, là, je pense que cette armure-là, avec ce bouclier-là, et le bouclier d'érudit, ça le fait. Hein, voilà, je me cache derrière, je pique, hein, ça proque le poison, ça fait des dégâts. Et j'arrive à bien tanker, là. Faut juste que je reste bien concentré. Parce que tu vois, là, j'ai relâché ma garde, j'ai voulu esquiver, je sais pas pourquoi, alors que j'étais bien au niveau endurance. Et ça va tomber, hein, ça va tomber. Et puis évidemment, bon, là, si j'invoque, je le tue hein, en 2 secondes. Mais bon, on va essayer de faire ça en solo comme les autres boss.